Bonjour, dans notre journal aujourd'hui, courir avec son compagnon à quatre pattes. C'est ce que nous propose l'association Pete Canicross Sud-Avenois. Nous retrouvons notre envoyé spécial aux Étangs des Moines, sur les lieux, pour un reportage qui a du chien. Benjamin, c'est à vous. Je suis aux Étangs des Moines, accompagné de Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président de l'association Speed Canicross Sud-Avenois. Oui. Alors une petite question, c'est quoi le canicross? Alors le canicross c'est quoi? Eh bien le canicross c'est, il faut avoir d'abord un chien, un maître, relié ensemble par un dispositif, donc le harnais, une ligne de trait et une ceinture. Et le but c'est de courir, de marcher ou de faire du VTT dans le même effort. D'accord. Donc l'association, on avait dit, donc ça regroupe donc la marche, la course à pied et le VTT. Oui. Et donc ça, l'entraînement, c'est quand pour ça? Alors les entraînements, il y aura entre 1 et 2 entraînements par semaine. D'accord. Sur le site des Étangs des Moines, parce que comme vous pouvez voir, les Étangs des Moines, c'est vraiment un site qui est adapté au canicross, au canivtt, à la canimarche. D'accord. Et donc, on est le deuxième club au niveau du Nord, c'est ça? Oui, absolument. Il y a un club qui a été créé il y a quand même une paire d'années sur Arleux, près de Douai. Et là, le nôtre qui vient de se créer il y a un mois de ça. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que Sabouge en Sud-Avenois va tester pour vous le canicross avec Isis, c'est bien Isis, ça? C'est ça. Et on va voir ce que ça va donner. On a parlé tout à l'heure avec Nicolas, donc pour pratiquer le canicross, il nous faut un baudrier ou une ceinture conforme à celle de la législation pour le canicross, mais aussi une longe qui va permettre de relier le coureur à l'animal. Cette longe doit contenir une partie élastique et bien sûr un harnais pour le chien. Cette vidéo vous a plu, vous avez un compagnon à quatre pattes qui aime gambader. Quant à vous, vous aimez courir, Speed Canicross Sud-Avenois est fait pour vous. N'hésitez pas à contacter le président au 06 95 58 95 49 ou sur la page Facebook Speed Canicross Sud-Avenois et enfin le forum scsa.forumactif.org. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Ça bouge en Sud-Avenois.